Ces images datent de plusieurs jours lors de la kermesse de fin de session du centre aéré de la Maison de l'Enfance de Juillet. Lundi, c'est donc une nouvelle session qui a débuté pour 115 enfants. Et comme toujours, le succès est au rendez-vous. Les 18 animateurs et l'équipe de direction ont programmé pendant tout ce mois d'août des activités à gogo. Avec bien sûr des activités traditionnelles comme la pâte à sel, le découpage ou le dessin, mais aussi des activités sortant de l'ordinaire comme ici la construction d'un sous-marin avec, écoutez bien, une bouteille en plastique, une vis, un élastique et une hélice. Le centre aéré, c'est aussi du bricolage. Cette semaine, les plus grands profitent du soleil lors d'un séjour au camping à Malin et les autres auront tout le loisir de se rafraîchir à la piscine, de découvrir le zoo ou encore de jouer au mini-golf. Petite nouveauté à signaler cette année, les jeunes peuvent également monter leur propre projet. Une envie de découvrir Nancy par exemple, alors pas de problème, un coup de téléphone pour le transport, un autre pour le repas et encore un autre pour établir un programme et le tour est joué. Une initiative permettant aux jeunes de s'investir personnellement et de ne pas être seulement des consommateurs d'activités toutes faites. Le centre aéré de la Maison de l'Enfance, c'est... Ouais, bah c'est bien quoi, la Maison de l'Enfance. Alors, si c'est bien, profitez-en.